Le Magic Loop. Après avoir monté vos mailles avec la méthode de votre choix, si le nombre de mailles est trop petit pour relier le tricot en rond, vous devez utiliser la technique du Magic Loop. Glissez toutes les mailles sur le câble et placez le fil de la pelote à droite. Sortir le câble au milieu des mailles montées. Les mailles sont donc séparées en deux parties, la partie A et la partie B. Placez le fil de la pelote à droite et remontez les mailles de la partie A sur l'aiguille de gauche. Remontez le fil de la pelote au-dessus du câble et reliez le tricot en rond en tricotant la première maille avec l'aiguille de droite en serrant bien. Tricotez toutes les mailles de la partie A. Vérifiez que le tricot n'est pas vrillé. Vous pouvez à ce sujet aller voir la vidéo « Relier le tricot en rond ». L'aiguille de gauche étant libérée, retournez le travail. La partie A se trouve maintenant vers l'arrière avec le fil vers la droite et la partie B se trouve sur l'avant. Sortir l'aiguille de droite et remonter les mailles de la partie B sur l'aiguille de gauche. Avec l'aiguille de droite, tricotez les mailles de la partie B. En n'oubliant pas de serrer légèrement entre les deux parties. On peut vérifier à chaque fois si le tricot n'est pas vrillé. Continuez de même en tricotant alternativement les deux parties. Après quelques rangs, nous voyons apparaître le tricot en forme de tube.